Et moi, j'ai commencé en 1996, quand j'ai rencontré Razel. Razel, il faisait... Ready. C'est aussi avec du style. Il y a aussi des mecs qui faisaient du scat.
Il y avait d'autres choses aussi, bien sûr. Merci. Il y avait des mecs comme... il y avait plein d'autres gars en fait, je n'ai pas tous en tête. Mais il y avait aussi le style West Coast. Yes, motherfucker, time, yeah. What up? What's up? What's up? I just didn't talk. Yeah. What up? Et après, il y a les côtés plus modernes. On arrive aux années 90. On a les côtés métriques, avec des sons un peu space, un peu électro. On a la techno, l'Afrique qui arrive. On a le côté ragga dancehall, ça fait genre... Come on, man. I was going back. You okay? Et puis après, on a commencé à rentrer dans le côté électronique. Et on finit par un truc que j'apprécie énormément. Là, il faut le pied de micro. Ok. Ready. Avec la colonne d'air. La colonne d'air, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là, ici. Ici, vous avez l'air qui passe. Les chanteurs, quand ils chantent, ils font la tête en bas. La tête en bas permet de garder le son longtemps. Ça donne.
Comme une super mauvaise. Merci.